J'ai vécu à New York quand j'étais jeune avec les moments musicaux de Leonard Bernstein, où il a montré son désir d'expliquer, parler de la musique avec les jeunes. Et je crois que j'étais toujours très touché par ce qu'il a fait. Et à travers Opera Fuoco, c'est mon ensemble, mais c'est aussi un outil pour moi de continuer un peu dans cette trace, de simplement partager mon amour pour la musique avec le plus grand public possible. Bach, c'est le musicien le plus... énigmatique à comprendre pour nous les musiciens. S'il est exigeant, comme même Mozart ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que Bach est surtout une question de la musique plus que la voix. L'exigence musicale est énorme. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des amateurs ? Eh bien, on peut partager le besoin pour nous de faire cette musique et le partager, essayer de faire comprendre que la musique de Bach, c'est une musique extrêmement humaine et spirituelle dans le sens humaine. Alors, prenons le texte et on va le dire. « Was Gott tut, das ist wohl getan. » Avec moi, 1, 2, 3. « Was Gott tut, das ist wohl getan. » Alors, déjà, ce que Dieu fait, « Was Gott tut, das ist wohl getan. » Donc, on vient soutenir le das et on va faire was Gott tut. Gott tut de t. Le but de cette action, c'est pas d'essayer de perfectionner des chanteurs pour chanter du Bach. Plutôt, c'est pour leur donner les outils pour comprendre le besoin d'écouter, de jouer du Bach et aussi le plaisir simplement de trouver l'expression humaine dans cette musique. Nous avons choisi deux cantates très contrastantes, c'est-à-dire une cantate de jeunesse qui parle beaucoup de la souffrance dans la vie, Weinen Klagen, numéro 12. Et là, on a contrasté ça avec une cantate qui parle de la lumière du matin, avec une expression extrêmement généreuse qui date de beaucoup plus tardive. C'est Bach en pleine gloire à Leipzig en 1724. Et là, on trouve un Bach qui est beaucoup plus posé. Ça permet à donner des moments très contrastants et très clairs pour un public amateur, pour comprendre cette musique qui est parfois très compliquée, mais en fin de compte, a une expression, ce sont deux expressions claires et qui donnent envie à chanter. Parce que si on n'a pas l'envie de chanter, si on pense que d'être très juste et chanter ensemble et que technique, alors je crois qu'on perd vraiment l'importance de chanter du Bach. Bach, c'est pour se souvenir pourquoi ça vaut la peine de vivre.